Par contre, l'Asie, je suis pas du tout pressé en fait de connaître cette carte, quoi. C'est le genre, le truc a l'air d'être immense, il y a des pièces partout. Ah non. Donc, comme je disais, mais que tu n'as pas écouté, Angel, hein, il nous faut trois preuves pour définir quel type de fantôme nous avons à faire. Et une fois qu'on a défini, c'est ça l'objectif principal, en fait. Ok. Très bien. Voilà. Et donc, le niveau 5, c'est un des trois indices qui peut te permettre de déterminer quel type de fantôme tu as à faire. Ok, très Grâce bien. à ça, on a défini que c'était un revenant. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'il faut être assez méthodique. Tu prends le bon matos, tu mets la cam en priorité, par exemple, si Est-ce tu que veux tu pourrais savoir si me t'as faire des boire du orbes. loquet? Ah. Bois de l'eau. Tu vois tout de suite si, si la pièce est très froide, ce Bois genre de du choses, whisky, la ça. tête à l'envers. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Mais t'es malade, toi! C'est ma femme! Et la bouteille, évidemment, on n'est pas dans un verre. Pleine, la bouteille. Ouais, on est Bah d'accord, écoute, c'est finalement, une tu belle vois, la initiative, chasse aux bravo! fantômes, c'est comme la vraie chasse, hein, c'est un loisir qui se fait bourrer, tu vois. Par contre, je vous informe, écriture fantomatique, hein, comme on a eu quand il écrit dans le livre, ça pue du cul. Ah, Ah, en pourquoi? fait, Comme... dès qu'il écrit dans le livre, c'est quelque chose d'ultra agressif, en fait. C'est la Ah oui, merde, j'ai parce vu que ça. tous les fantômes qui sont capables, l'indice écriture fantomatique, il y a que les fantômes vénères qui peuvent le faire. Très bien. Ouais, donc là il était vénère de toute façon. Attends, le truc, Ouais. il a écrit, il a dessiné des symboles sataniques, quoi. Ouais. Mais moi j'avais eu des trucs genre Kentron, un truc comme ça. Donc c'est très cool. Moi, j'ai eu Kentron, d'ailleurs, Oui, die, je sais pas Knife. quoi. Moi, j'avais die. Plein de trucs Die, die, improbables. die, die. Die, 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 die. C'est le fantôme d'Enrico Macias. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi je peux pas prendre la lampe? Faut jouer à plusieurs, mais je crois qu'on est plus Ah, que un. c'est bon, j'ai Regarde-moi, vu. parce que tu l'as déjà. Ah, mais je peux pas l'allumer. Ah, mais c'est... Non, mais Ah, c'est... mais putain, mais c'est pas une lampe, c'est Elle est vrai, là, j'oublie à chaque fois. Elle est là, la lampe. Voilà. En Désolé. bas, elles sont plus puissantes. Au milieu, Non, mais ils font la pas grosse. d'efforts. Donc voilà. Et là, tu vois, l'objectif est marqué sur le tableau derrière toi, Angel. Ouais, très bien. Tu vois, il y a quel type de fantôme, c'est tout le temps, c'est l'objectif principal. Empêcher le fantôme de chasser avec le crucifix, c'est en gros, tu Non, pousses là. à te péter la gueule et avec un crucifix, ça l'empêche de te chasser. C'est quoi les machins jaunes que vous avez dans les mains? Un C'est les thermomètre. détecteurs Et thermiques. Le Par contre, il crucifix, sait à ça quel point il s'active? est. Est-ce que tu dois genre le brandir, genre va des Si tu le rétro, brandis, ça ou alors. fonctionne, et si tu le jettes, ça Satan! fonctionne pas. Oui, voilà, mais c'est exactement ça! Mais attends, mais c'est trop bien! Quand il a fonctionné. Par contre, tu vois, tu ne sais pas forcément en fait que tu as bloqué une attaque. Par contre, tu peux voir ton crucifix disparaître. Devant Et là, ça toi. veut dire qu'il a fonctionné devant toi. Il a Et fonctionné deux deux fois. fois. Ah, Deux fois, d'accord. et ça fait mal. Ça fait très très mal au Ah cul. non, attends, le crucifix, c'est un objet utilisable! Ça veut dire que tu dois le racheter? Oui? Ah Mais ça vaut. non, 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 mais il se consomme, mais la game d'avant, des games d'après, tu le récupères. En fait, tu as Ah, deux d'accord, ok. crucifix maximum par game. C'est comme les Donc, pilules en haut. une protection contre 4 attaques au final. Total. Comme les pilules, ça redonne de la santé mentale. Mais ces boîtes noires là, c'est quoi en Laquelle? bas? Ces trucs là. C'est des boîtes de sel. Des boîtes de sel? Oui. Ouais. C'est Tu pour les mets joueurs trop avec. énervés, qu'est-ce que c'est? Mais pour faire Tu quoi? C'est mets pour. trois tas de sel, il y a un C'est pour les fantôme battre. J'allais qui dire est ça, mais hautement corrosif au sel, donc du coup il évite de s'approcher du sel. Et Mmh. pour les autres, ça laisse des empreintes de pas juste derrière. Tu vois Ah, mais qu'il a marqué c'est... dans le Attends, sel. Angela, Ah, mais n'ouvre c'est trop pas. bien! Eh, vous savez quoi? J'ai du sel à la maison, je pourrais déjà le Si faire vous moi-même. ouvrez, le compteur tourne. Et en fait, si le compteur tourne, à partir du moment où on est à zéro, il nous défonce sa race. Moi, je propose qu'on change les équipes, les filles Allez. avec les filles, les garçons avec les garçons. Oh Allez. non. Moi, je suis monsieur le Tu fais prof. quoi comme objet, Manu? Moi, j'ai pris la ghost box et l'appareil photo. On va mourir dans notre lit. Merci de me Tu veux rassurer, que je prenne franchement, une la blague caméra, n'est pas peut-être? ça, là. Non, mais le but, T'as c'est quoi, pas de me toi? dire qu'on va mourir, c'est de me En B, vire rassurer. l'appareil photo pour le moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs au début. On ira le En plus, c'est rechercher. la maison que je Prends plutôt le détecteur déteste. bleu, là, au-dessus. Ok, c'est bon, je l'ai. Angel, oui? Non, je pensais Viens, plutôt au on les détecteur, là. laisse y aller et on s'enfuit Le en détecteur, courant. là. Ah oui, ça! Alors ça, je sais pas du tout comment il fonctionne, Que mais ça, on ouais, fait, si tu veux. regarde, viens, porte Ok, pas, j'ai. éclat et lumière. Le bleu, pas le blanc. Quoi? Et C'est pas l'autre? bleu, ça? Ah oui, c'est blanc. Mais c'est lequel? L'autre à côté. Ah, ce machin, c'est bleu, ça? Ouais. Ok, alors ça, c'est quoi? C'est un détecteur de mouvement. Ouais. La diode passera Ah. ouvert quand le fantôme passera devant. Ah, mais c'est trop cool, je veux tester ce genre de choses. Vous avez pris les clés, au fait? Oui. Oui, parce que. Ouais, c'est pas Ah, ça. Elles sont là!
Non, on dirait les nains de jardin là. Salut, je suis un nain de jardin. Ma mission est de protéger la maison. Ça, elles vont nous surveiller, mais de la fenêtre. Ah, c'est bon, je vous vois, pas à travers la fenêtre. Et en vrai, ça serait tellement badant. Tu sais, tu regardes par la fenêtre et tu vois le fantôme qui te regarde, il fait un doigt, tu sais. Alors, depuis la fenêtre, tu vois la lumière allumée, des fois tu vois s'éteindre ou s'allumer. Ouais, mais ça fait pas peur. Moi, je peux faire ça chez moi aussi, hein, tu sais. Aussi. Donc, tu peux voir le fantôme tuer quelqu'un à l'intérieur potentiellement. Potentiellement. Faites vos paris, qui va mourir en premier? Angel? Ah oui. Sauf si je suis déconnecté. Ça arrive de se déconnecter? Je sais pas pourquoi j'étais déconnecté. Est-ce que la déconnexion, ça compte comme une mort ou pas? Oui. Non. Finalement, tu vois, t'es déconnecté de la vie, je veux dire, tu vois, t'es. Alors. Je propose qu'on aille à l'étage parce que Zidia, elle va être mal déjà au rez-de-chaussée. Oui, ça s'entend déjà. Il y a quelqu'un qui a une respiration assez. Par contre, laisse pas Zidia tout seul, Angel. Ah merde, je connais. Pardon. Salut. Non, mais attends, j'ai zéro confiance en toi, Angel. Tu peux allumer les interrupteurs, par exemple. Ah oui, mais moi je trouve ça plus marrant quand on est dans le noir, tu sais. Bah, c'est-à-dire que si tu allumes trop de lumière, le fantôme il aura tendance à les éteindre. Ah, donc c'est un indicateur intéressant. Ah ouais, allez, hop, j'ai allumé la lumière. Ah oui, donc on va le faire chier là, ce fantôme. Genre, j'allume toutes les lumières, tu as payé très cher de facture d'électricité, mec. Angel, t'es dans le salon? Ah, le miroir, mais dis, faire quoi devant le miroir? Non, j'ai rien. Faut agir très rapidement, donc il faut que tu me suives. Non, fais rien, arrête tes conneries, fais rien. T'inquiète. Tu me dis quand je vais utiliser mon détecteur, hein, parce que je sais pas comment ça se passe. Non, c'est au même endroit que la dernière fois. La dernière fois. C'est où? On l'a trouvé? Ah, mais c'est en bas? Non, mais on revient. On redescend. Et vous avez vu quoi? J'entends un bruit là-bas, là. Ok. Non, mais c'est pas grave. Parlez-lui. Parlez-lui. Mais t'es malade, toi. Tu parles même pas. Mais si. Faites connaissance. Il est peut-être gentil. Il recherche de la compagnie. Il est où? Ça va. Là? Mais il a sonné ici. Pile ici. Là, ici, il sonne. Ah. Ah ouais, là, c'est... Là-dedans? Oh, oui, c'est sa pièce. C'est sa pièce. Oh, mon Dieu, c'est sa pièce. Il est dans un placard. Ah, c'est Harry Potter encore. Mais... Harry Potter. On va lui parler en serpentard. Ça se trouve, elle va le gaver, tu sais. Là, la Ghostbox, il va nous répondre. Genre, il vit entre la salle. Il vit à côté de la machine à laver, là, tu sais. Attends, mais c'est vraiment sa pièce? C'est possible que sa pièce soit si petite? Ah, il a écrit dans le bouquin. Ah, donc il est vénère, celui-là. Donc j'allume la lumière comme ça, se dira va moins se faire dessus. Ouais, mais on est là, on la protège. En plus, il me respecte même pas, vas-y, j'en ai marre. Niveau 10, non, c'est... 5. Ah, ok, je mets ça dans le... On est safe. Revenant, ombre, au nid. C'est forcément un truc fainéant. Quelqu'un a une caméra? Ouais. Je vais en chercher une. J'en ai une, je vais te dire. Mais je vais chercher un crucifix, je vais chercher quelque chose là. Faut que je brûle mon kit. Bah, je vais prendre mon. Quoi que j'ai. Je peux poser mon détecteur de mouvement ou comment ça se passe ici? Alors voilà, tu vas le mettre par exemple, tu vois, sur un cadre de porte, c'est mieux, tu vois. Ouais. Ah là? Attends, mais je peux pas en fait sur le cadre de la porte. Capteur de mouvement et empêcher de chasser avec le crucifix. Ah d'accord, ok. Là, attends, j'arrive pas à le poser. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Tu cliques sur F pour utiliser ces F. J'ai lancé. Je suis désolé, c'est certainement un matériel très coûteux. Personne n'a pris la lampe UV? Non. Si je l'ai, la lampe UV, si. C'est bon. Okay. Et là, comment... Donc, la lampe UV, c'est vrai. C'est quoi la lampe UV? C'est... Bah, alors, je l'ai pas. Attends, ah non, c'est vrai, je l'ai reposé, je l'avais pris, je l'ai reposé. Mais aucun effort. Mais non, voilà, mais c'est pas ma faute, c'est monsieur le prof, il me l'a dit. J'en sais rien parce que je reviens là. Avec un crucifix notamment pour vous protéger le cul. Ah, vois, elle est verte, ça veut dire qu'il est avec nous le fantôme. Parce que oui, c'est que le fantôme. Elle est trop badass. Ah, mais non. Attendez. Ça cul, hein. Hop. La Jude est là, donc il est avec nous. Crucifié au cul, là, en bas. Donc là, il y a le fantôme. Ne marchez pas trop dessus, hein, histoire de savoir si oui. Oh non. On est à deux. Alors, par exemple, là, il a fermé la porte. Non, ça c'est moi en fait, je déconne. Oui, mais maintenant, parce qu'on a les infos, tu peux le balancer si tu veux, Angel. Ah bon? Ouais. On sait que c'est un niveau 5, on sait qu'il y a créé une genre... Je vais check les caméras. Ah ouais.
Monsieur le fantôme, ne me tue pas avec moi là, parce que moi du coup j'ai ça et la caméra, enfin la terre. Ça aussi tu peux le balancer. On a aussi. Du coup, il va falloir que vous éteigniez vos lumières quelques instants quand je vais vous le dire, d'accord? Ok, bah j'ai éteint la lumière de la pièce déjà. Oui. Oui, parce qu'il faut que je détecte si oui ou non il y a des orbes. Ok, bah allez. Alors en fait, j'ai un info, le crucifix. Enlevez vos lampes s'il vous plaît. Le crucifix, il fonctionne dans une zone d'action autour de toi. Sauf que là, comme on est dans un placard à chaussons, à peu près n'importe où, ça va fonctionner. Fermez la partie. Donc en fait, on est à l'abri, quoi, tant qu'on est à côté du crucifix. Après, c'est un effet temporaire, le crucifix, c'est ça, c'est ça... C'est pas tout le temps, le crucifix. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Oui. Bon. Bon, là, on... Non. Non, par mais contre, doit... je serai pour venir vous en rapporter la lampe à empreinte. Ouais. Et... L'activité à zéro. Je rallume parce que moi j'ai vu quand même que ça pouvait être en revenant une ombre anonyme. L'ombre, c'est dangereux dans le noir. Oui, d'accord, ok. Voilà, d'accord. Ils ont tous des spécificités. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on élimine un maximum de. Ouais, mais justement, ils nous auraient pas déjà agressés parce que là on est resté vachement longtemps dans le noir. Parce que là... Attendez. Hop. Allez. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose sur la porte? J'ai entendu un bruit de pas, non? Non, y'a rien. Y a les torches. Non, on est à 4 degrés ici. Non, y'a rien. 6 degrés. Ouais, mais c'est pas froid. Ah, il faut que ce soit à moins quelque chose, c'est ça? Ouais. J'ai l'appareil photo, il est avec nous là. Ça soit négatif. Il est avec nous, Negus. Negus, il arrête pas d'essayer de toucher cette putain de porte. Arrête de la toucher. C'est bien, Manu, tu t'assois, tu te mets dos à la porte, comme ça il l'ouvrira pas. Il la fermera pas. Mais moi, voilà. C'est bon, je suis un cale-porte, je me mets ici. Personne ne fermera cette porte. Faut peut-être... Spirit Box, non? Alors, on l'a avec nous, la Spirit Box? Il répondra à la Spirit Box. Ah, mais on l'a pas. Attends, je vais la chercher. Ouais. Revenant. Il laisserait des empreintes? Il y a des craquements à l'étage, oui, mais non, il est là. Enfin, peut-être qu'il se balade à l'étage. Mais sa pièce, elle est là, ouais. Mais c'est sa pièce. Et bon, je suis Manu. Me laisse pas... Par contre, que là... essayez de vous déplacer par deux, oui. Ouais. Satan, fils du diable, qui note notre nom, mais dit bonjour, c'est ça. Ouais, mais la ghost box, elle est où? Je sais pas. Ah, mais en fait, vous l'avez pris la ghost box? Elle y est pas ici. Non. Bah. Je te laisse avec le crucifix. Mais t'es fou, toi? La ghost box, elle est pas dans le camtar. Putain, on nous a piqué la ghost box! Je vous avais dit de fermer la porte. Elle est mais pas dessous. Intéressant, mais il reste plus rien. Attends, mais je l'ai pas. Ah, mais merde, putain, je l'avais sur moi depuis le début. Oups. Allez-y, je reviens là. C'est bon, je l'ai. Et prends des crucifix avec toi, Angel, tant qu'à faire. Ouais, parce que c'est vénère, c'est vraiment vénère. Attends. Tu l'avais pas dans tes mains? Ouais, non, mais fais comme si t'avais rien vu. Il est là, Négus. Alors, c'est où déjà? Ah oui, c'est là. C'est bon, je suis là. Très bien. On va communiquer. Alors donc, faudrait éteindre les lumières, c'est ça? Ouais, attendez, je reviens, Il répond aux personnes seules ou il répond à tout le monde? Ah oui, bonne question, c'est pareil, j'ai pas regardé. Je vais aller voir si on est en chemin, je voulais te poser. Salut. Bon. Salut, ça va? Je vais juste voir comment il s'appelle. Ah non. Allez, je voulais papoter un petit peu. Ah, ça c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, ok, il a coupé les plombs. Ah, c'est potentiellement Anony, hein, ce truc-là. Il ferme la porte, cette pute. L'activité est à 7. À 7? Putain. Ah oui, il commence à ouvrir des portes, là. Oh là, il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment partout. Porte en face. Ah, là, il y a une porte qui s'est ouverte, là-bas. Ça fait pas peur, votre truc, là. Tranquille. Bon, Mais toi, t'as rien vu, c'est normal que t'aies pas peur. En fait, il s'est absolument rien passé en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Emmène-moi, tout le monde. Il est pas censé répondre vu qu'on est tous en train de parler là, tout ça. Quel âge avez-vous? Ouais, c'est quoi ce truc que t'as? C'est un. Genre, t'as un flair? Ça fait un peu de lumière. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et vous, si vous parlez dans la ghost box alors que je la tiens, ça marche ou pas? Ouais. Oui. Tu peux même la lâcher. Ah ouais. Ah, je peux la lâcher. Bah, fuck. Qu'est-ce qu'on fait? Quel âge avez-vous? Ah putain! Waouh. Voilà.
Ça m'a trop fait peur, t'as parlé dans le... dans DocuBookies. Non mais je m'amuse pas à faire ça, moi ça fait peur. Mais faut pas faire ça. Mais oui, bah oui, justement, faut non, pas faire là, ça. Tu hurles dedans, c'est... Non, 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 on parle dedans. Là, il est allumé. Bon, faut, par... faut maintenir V, c'est du push to talk. Salut les gars. Ça a marché? Ouais, ouais, ça a marché, ouais, c'est... En vrai, ouais, ça, c'est très fort, effectivement. Esprit, es-tu là? Non. Esprit? Non. Il faut poser des questions claires et... As-tu mangé quelqu'un? Non, c'est... Quel âge avez-vous? Tu m'as dit une question claire. Attends, mais que... Quel âge avez-vous? On pourrait pas lui dire un truc. Hier, ça avait bien marché, j'en lui ai dit. Montrez-vous. Comment est-ce que... Putain. Il est pas très vénère, hein. Faites un signe. Comment êtes-vous morte? Comment êtes-vous morte? Ah oui, c'est du là. Elle est full là. Pouvez-vous communiquer? Non, je peux pas, madame. Quel est votre nom? Jean-Denis. Alors, l'activité, elle est zéro, là, pour l'instant. Je suis non binaire. C'est pas top. On dirait que le nom du fantôme... Et donc, bah, appelez-la par son nom, là, Patricia Johnson. Oui, il y a des machins par terre, là. Patricia Johnson, êtes-vous là? Forcément. Patricia Johnson? Oh! Oh, le... Ah, mon dieu! Je vois un truc à la caméra! Ah non, c'est vous! Patricia Johnson, êtes-vous là? Salut! Ah, je vois le gros dos d'Angel, là. T'es sur la caméra mobile, sur une de nos caméras, nous, ou sur la Non, non, sur l'appareil, sur la caméra fixe. Faites un signe. C'est important parce que si tu vois des orbes, c'est... Ouais, justement, c'est ce que je voudrais checker, mais j'ai pas l'impression. Patricia Johnson. Oh là, il y a eu de l'activité, là. C'est monté à 6. Patricia Johnson. Patricia Johnson. Elle continue de l'interpeller avec son Patricia. Nom, là. Elle va pas... Patricia. 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 Attends, Patricia. Tout. Êtes-vous là? Check le crucifix vite fait. Il est là. Patricia Johnson. Alors, dans le chat, on nous dit Patricia Johnson, pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? Apparemment, ça marcherait. La porte. Pouvez-vous faire du bruit? Oui, s'il vous plaît. Pardon. Ah, putain, Patricia, elle a roté, quoi. Patricia Johnson, pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? Oh, putain. Elle est où? Ah, je l'ai entendu! Elle a fait... Ah! Ouais, mais ça compte pas. Ah? Ça compte pas. Elle vous a entendu roter, elle a voulu faire un concours, quoi. Ouais, mais en fait, ça compte que si elle parle à travers de la radio. Ah, ouais. Patricia Johnson, êtes-vous là? J'avoue, grado, Patricia, hein, franchement. Ah, Patricia, grosse sale, va! Vas-y, grosse sale! Eh, Patricia, ta mère l'a sucé Casper! Et deux fois en plus. Quel est votre âge? Êtes-vous morte? À chaque fois, je vois un truc qui pourrait faire peur, en fait, y'a rien, quoi. Voulez-vous qu'on s'en aille? Patricia Johnson. Allez-y, on se casse tous, comme ça, on verra ce qu'il y a une norme. Ouais, je regarde, je vois rien. En tout cas, il n'y a pas d'orbe. Oui, j'ai checké pendant un long moment, il n'y a pas d'orbe. Ouais, mais c'est-à-dire que nos lampes torches peuvent... Bah, vous en aviez pas à ce moment-là. Effacer les orbes. Ah ouais. Bah, moi, j'éteins ma lampe. Voilà, allez-y, hein, faites. Et le truc au sol, là, ça marche aussi, ça parasite la lumière aussi, ouais. Voilà, et go fermer ça. Allez. Ah bon, pourquoi? Ah ouais. Ah oui, en fait, l'ONI, sa particularité, c'est qu'il va venir te défoncer la race. Il prend les portes et il la retourne littéralement. Ah oui, d'accord. Ok. Bah oui, mais ça veut dire... Mais ça veut dire que là, si on est dedans, il va fermer la porte. Oui, c'est ça. Mais...
Quand je dis qu'il retourne, c'est-à-dire que t'as les gonds au niveau de la boîte. Voilà, moi je suis bien ici. Vous êtes parti, vous partez? Bah non, parce que je vais pas me faire buter. Ouais, on ouais elle ferme, elle ferme, elle ferme. Moi. Bon, on va fermer. Mais c'est moi. Allez, moi j'ai envie de tester, je vais être dedans tout seul. Allez hop. Voilà. Salut Manu. Hey. Éteins ta lampe. Moi j'ai pas la lampe là. Ouais. C'est bon. Il a réagi. Il kiffe oui, pas. Il a réagi mais ça compte pas. Il kiffe pas. Ah. Oui mais il a fait. Ah. Ok. Là, il va se retrouver en face de moi. Je vais mourir comme un connard. Patricia Johnson. Est-ce que vous êtes là? Toi, arrête de la provoquer, viens avec moi, on va rallumer le coup. Là, j'arrive. Ah, allez, vas-y. C'est où déjà le... Oh, 10, 10, 10, 10 10 10, 10, elle est là, mais... Viens, 10 elle est là depuis... elle est là depuis un bail. What the fuck. Oh elle putain, oui. Il y a les bruits de pas, il y a les bruits de pas, il y a les bruits de pas, elle est là. What the fuck, elle est là, elle est là. Ne parlez pas, ne parlez pas. Si tu parles, tu te fais goumer. Surtout pas. On me dit que c'est bon. Oh putain. Oh, regardez ça. J'ai jamais vu une lune aussi 10. Il y a trop de 10. Ça m'a du 10. Oh my god. Regardez la centaine d'aiguilles, elle est à 30. Oh my god. Mais je suis à 28. Je me suis fait baiser je sais pas combien de temps. C'est bon, il est parti. Il est parti. Mais... Eh, je suis à 28, les gars, non, ma mais... bah, par contre, je pense que la Ghostbox est mort, hein. Il a pas l'air de réagir du tout. Ouais. Mais Négus, je me suis fait bully, hein. Ouais, ah, j'ai stoppé, ouais. Ça, c'était chiant, là. C'est là, les plombs oh. Oups. Ouais, par contre, c'est chiant, il y a le sens. Ah, les portes, elles sont reloues. Oh, je me suis fait bully de ouf, ça rince. Et là, qu'est-ce qui se passe si nous on n'est pas dans sa pièce? Il va venir nous chercher? Ah oui, oui. Bah, là, si d'accord. En attaque, on se cache là-dedans. Mais tellement pareil. Dans le placard, hein. Tu vois le placard devant l'entrée, s'il arrive, on se cache là-dedans. Bah, en fait, c'est marrant, les plombs ils sont verts là. Ouais, ils sont verts. Bah oui. Il l'a rallumé. Ah le bâtard! Il l'a rallumé du coup. Là, il me troll! T'as de beaux yeux, Angel. Dangereux. Oh, ça va. Ah? Il a arrêté. Attends, t'as vu, il a éteint? C'est toi? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Je vais draguer Angel pendant que les gars ils sont en train de crever. Ça va, il y a des priorités dans la vie, hein. Bon. Par contre, il a formé la porte, vous avez même pas ouvert. Non, mais on va au resto avec Angel, hein, on revient. Bah, pour l'instant, il a pas l'air d'être dans le placard. Ah, non, si, c'est vert. Non, mais sors d'ici, tu vas te faire défoncer. Bah, j'attends, justement. Allez, viens, défonce-moi, on va voir. Pour l'instant, il est chiant, il fait rien, là. Si, il a 7. Il s'en fout. 4. Manu, il a l'habitude des jeux qui font peur. Ah, ah, il arrive. Oh, attaque, 10, 10, 10. Ah oui, attaque, ferme la porte et éteins la lumière, il est du plein. Oh le pauvre. Vous êtes partis où, les gars? Oh, ya, ya. Eh, ma lampe, elle clignote. Ma lampe, oui, c'est normal. Mais lampe, elle clignote à côté du truc. Oui, parce que c'est normal. Une attaque qui affecte tout notre équipement, n'importe où en soi. C'est encore verrouillé. Hein. J'essaie d'ouvrir la porte, mais c'est bon. Ah, ça y est, il attaque plus, ma lampe clignote plus. Ouais. D'accord, ok. En fait, ça nous sert à... Ouais, c'est pas utile en fait. S'il attaque, ça nous permet pas de savoir exactement qui c'est. Bon, je vais rouvrir la porte. Non, ça nous offre juste une occasion de potentiellement prendre en photo et potentiellement de faire tuer. Ah, mais oui. C'est moi qui ai l'appareil photo. Quoi? Voilà. Quoi maintenant? Ah, et là, il y a du sel qui a été posé. À main que. C'est moi qui. On les aide ou pas? On les aide, mais du... Oui. Donc alors, là, le truc... Le truc, il pose... Alors, attends, il n'y a pas d'orbe. Vous êtes où, bande de trouducs? Qu'est-ce qu'il nous reste comme... Moi, je suis au camion. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme preuve à avoir? Ah, mais putain, vous êtes tous dans le camion, en fait. Je suis tout seul. Ah non. Je suis là. Ah, viens ici. Alors, soit il répond à la box... C'est pas un cadeau, hein, que soit... Je sois là, mais... soit il... Oh. Quoi? Oh, il ferme la porte et il fait des... Les gars, on va soit se faire soit il répond bully à la box, soit on voit une orbe. Ouais, mais l'orbe, y a pas, hein, vraiment, c'est mort. Soit on voit des traces sur la porte demain. Ah, est-ce que... qui c'est qui a la lampe... Quoi? Mais qui s'y a?
Il chasse pas là. Il marche. Oui, il marche. Oui, on est. C'est, bah, il, c'est pas grave. Il fait ça. Il fait sa vie. Il a été dans la cuisine chercher un sandwich, tu vois. Ouais. J'ai pas peur. Je comprends pas en fait. Mais avant Angel, y a rien quoi. Oui, il attaque. Ferme la porte. Ferme la porte. Je vais me faire tuer. Cache-toi dans une pièce, éteins ta lumière, ne fais pas. Ah, c'est parti les blagues. Oui, c'est parti pour les blagues. Allez, on va se faire une petite pause blague. Parce que là, c'est bon, je me fais des... je me fais bulir. Alors, du coup... Quoi, tu es tué, là? Non, mais je suis coincé, je pense que quelqu'un peut ouvrir la porte de l'entrée. Non, on peut pas, justement, il faut que tu te caches jusqu'à la fin de l'attaque. Ah ouais, bah là, je suis dans la merde. Non, c'est bon, il a arrêté. L'attaque terminée. Ah. Là, la... ça, la lampe a... Il y a un crucifix. Il y a un but crucifix. La lampe violette, là, elle est où? Ah, c'est bon. C'est on va faire des blagues juste après. Non, mais les gars, il y a plus de crucifix, là. Oui. Reste là, et on va faire les blagues de loin. J'ai plus le petit bébé qui... Oh, putain, il est là. Je l'ai entendu, il a fait... Oui, il était derrière toi. Ouais, bah... un bébé qui court. Vas-y, reviens, non? Non mais par contre t'es tout seul à l'intérieur. Bébé, ouais mais c'est pas... Non ça c'est juste sa forme. C'est Angel qui a le crucifix. Oh il attaque. Il attaque, merde putain. Tiens la porte et dis rien. Éteins la lumière. Bon du coup les blagues alors c'est parti. On va essayer d'en faire rien. Tais-toi. C'est le moins bon moment hein, pour la partie. Non mais ça marche pas. Non mais elle est en dehors. Je suis dehors. J'ai eu peur pour toi. C'est bon. Alors... Allons sur... J'ai tellement peur. C'est parti. Bon, c'est encore à 10 à Manu de ne faire rien, ne dire rien. C'est bon, c'est redescendu. Pouh, putain, je m'étais mis dans un coin, mais à l'extérieur, j'étais plus dans la pièce, là. Ah, il a fermé une porte. Ouais, mais il nous manque toujours un dernier indice, nous. Oui. Allez, je suis allé voir un petit peu à la porte, à la lampe UV. J'ai rien vu. Ça a pas l'air, ouais. En même temps, il a pas l'air de beaucoup la bouger, cette porte. Mais il a touché la porte d'en face. Oh, merci pour les chills. Voilà, là, il y a... C'est quoi, c'est à 8, là. En ce moment, c'est à 8. Merci. Ouais, ça y est, c'est arrêté. Merci. Et là, du coup, il y a plus personne dans la pièce, donc si vraiment il y avait une orbe, on le verrait, hein. Non, parce qu'elle est pas en permanence. Faut attendre. C'est mais je pense pas qu'il y en ait une, Nexus. Bah, non, je pense pas non plus. Il a pas non plus répondu au beeper. C'est soit. Ouais. On a bouffé un. Les traces de mer, c'est très rapide, donc on les aurait vues, je pense. Les vues. Avec UV. Ah, merde. On les a. Et. Quelle magnifique blague, putain. Rentre du coup, c'est... l'orbe est. Ah, l'orbe, c'est pas en permanence, et en plus, avec c'est les flashlights, on a pu les cacher. Et. Oh putain, ma santé mentale, gauche. Faut prendre des pilules, hein, les gars. Là. Prenez des. Attaque. Attaque. Fermez la porte. C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, l'intérieur, il est fermé. Ok. Non. Ouais. Attends. Il y a plus de crucifix. Si, il y en a une dans ma main. Bah, il aurait fallu qu'elle soit là-bas. Voilà. Et prenez des pilules parce que la santé mentale. Peut-être pas tous, on en a que 3 des pilules. Non, moi, j'en ai plus une, ça me suffit. Hein. Bah, on en a que 3, j'étais à 10, Nugus, quand même. Hein. C'est lequel qui est le plus bas là? Bah, moi. Ah, mais reprends. Mais prends. Bah, il est là, devant nous. Est-ce que tu m'entends? Tu es où entre le. Quel âge avez-vous? Mais où? Faut maintenir. Est-ce que vous êtes là? Jean-Denis? Quel âge avez-vous? C'est Patricia. Ah, il est avec moi. Ah, il a disparu, direct. Ah. Bon, par contre, ça me dit rien de détecter, hein. À chaque fois. Je veux dire, là, je pourrais pas faire mieux que ça, en vrai. Je suis tout seul avec lui. Alors, je vais me casser, parce que j'aime pas. je kiffe pas trop la sensation. Putain de merde. T'es en attaque. Cache-toi dans une pièce, elle te suit. Cache-toi dans une pièce, vite. T'arrêtes pas, tu te regardes, elle avance lentement. Donc, si tu regardes derrière toi, normalement, elle devrait te suivre. Non, c'est pas nous. Attends. T'es clairement pas caché là. Il est pas caché là. Mais il est pas caché du tout. Elle va te goumer.
Putain, mon cœur a battu quand je me suis rapproché trop près de la porte. Ton cœur a battu. L'entrée. Mais. Oui, quand tu vois le fantôme, en fait, ton cœur bat très fort. Et mais cache-toi dans une pièce, c'est à bon, l'intérieur d'une pièce. Non, mais c'est bon, tout à l'heure je me suis mis là, elle m'a pas vu, donc j'ai recommencé moi. Bon. Oh. Le crucifix, ça serait peut-être bien que ça soit dans la pièce, du coup. Ouais. Ouais, il nous a bien protégés, hein, par contre. Ouais, bah ouais. Tu vas pas y retourner. Voilà, moi, ma santé mentale, là, je pense qu'elle est au minimum, quoi. Bon, bah, j'aurais essayé avec la Ghost Box. Je l'ai ramené au camion, du coup, c'est pas ouf, hein. Comment ça, mon stream est trop bien fait, Nani? Alors, fais voir, Bahama 39, putain. J'ai crucifié, Négus. Ah, mais merde, je regarde, c'est autre chose. Hop, hop. Hop, alors. On va regarder, attendons un petit peu, là c'est bien, il n'y a pas de lumière, s'il passe on le verra un petit peu. Le fantôme, mais on n'a pas trop d'indices du coup sur ce que c'est, tu vois. Ouais, bah si, on en a deux. En fait, on en a deux. Non, mais dans le sens, on n'arrive pas à le définir, même si ça fait longtemps qu'on est dedans, quoi. On bah c'est normal. Ça m'étonnerait que ce soit un revenant parce qu'il n'a pas laissé de traces de main et ça c'est assez souvent. C'est assez facile à identifier. Ah, merci beaucoup. Mais ça peut être encore une ombre ou un oni. Il y a quelqu'un qui a allumé la lumière de sa pièce ? Parce qu'on voit plus rien là. Ah non, non, c'est lui. C'est le fantôme qui a allumé. Ah ouais, d'accord. Non, il s'est allumé. Non, il a pas éteint, c'est que ouais, on a viré le. Là, la vision infrarouge. Voilà. Ah, mais là, on voit plus rien du coup. Mais il fait chier lui là. Il voit rien dans sa pièce. Faudrait y aller, mais moins nombreux. Bon, je sais pas, c'est une bonne idée. Non. Moi, je suis à 39%. Il repart pas, hein, parce que. Ouais, moi, j'ai crevé là si j'y vais. Hein. En vrai, 30 ça gère. Mais ça peut gérer. Mais... Ouais, j'imagine être moi encore. Le miroir, c'est le meilleur des indices. Mais arrête avec ton miroir, j'ai crevé. On s'en bat les couilles du miroir, c'est pas un indice du tout. YouTubeuse de qualité, Nani. Ah, merci. Ah, c'était pas pour moi. T'es une YouTubeuse ? Oui. Vas-y, t'es grave bonne, Mani. Je sais. Ah, qui c'est qui est là? Il y a des gens. Ok, c'est bon. Ah, c'est cool. Merci. Ils ont fermé. Hey, donc alors. Alors, oula, c'est quoi ça? Non, c'est bon, c'est à zéro. Par contre, elle a marché dans le ciel. Hein, oui. Ah, vous le voyez? Ah oui, ça fait des traces comme dans Paranormal Activity. Est-ce que ça fait des traces de grenouilles comme dans le film? Temporaire, mais on voit que le seg a été écarté quoi par un pied. Et là, les lampes torches, ça parasite aussi, c'est-à-dire si vous avez les lampes torches, vous verrez pas l'orbe, c'est ça? Voilà. On se concentre, s'il vous plaît. C'est quoi son nom, en fait? Je peux me rappeler? Patricia. Patricia Johnson. Patricia Johnson, êtes-vous là? Oui, Johnson, pardon. Elle peut être derrière toi, hein. Fais attention, Angel. D'accord. Attends, je vais regarder derrière moi. Disons. Alors, avec le moment de temps, je regardais le sol pour que Manu puisse voir s'il y a des orbes. Ouais, interpellez-la, laissez vos lampes torches au sol. Ouais. Mais là, ça va, ça a pas l'air de. Trop parasiter la vision en fait. Patricia Johnson, êtes-vous là? J'ai trop peur. Comment êtes-vous morte? Patricia Johnson. Patricia Johnson. Elle est pas là, c'est pour ça que je l'appelle. Oh, dans un cage. Voilà, pour l'instant, ça réagit Johnson. Pas trop. Hein. En fait, il y a des mots qui trigger en particulier les fantômes, et c'est ça, par exemple. Son nom, ouais. Quel âge avez-vous ? Oh. J'entends pas. Pouvez-vous parler ? Êtes-vous gentil parler ? Laisse faire, hein, c'est des pros. Qui êtes-vous vous a gentil tué? Angel. Qui vous a tué? Voulez-vous qu'on parte? Ah, ça c'est bien comme question. Oh, on voit le mec qui a regardé l'intégrale de Ghost X tout de suite. Non, j'ai juste une question posée. Je suis trop fan. Êtes-vous une fille? Vous voulez que j'enlève les quoi, les gens? Pas d'orme, attendez, pas d'orme. Ouais, ouais. Et là pour l'instant zéro activité, hein. C'est hyper calme. Comme ça vous allez moins entendre. Patricia voilà. Johnson, est-ce que vous c'est là? Wow. Elle a ouvert la porte, ça veut dire oui.
Ah oui, il y a une toute petite activité de mon côté, très légère. Est-ce que tu aimes les pâtes? Quoi? C'est quoi ça? Des questions, ça, ça. Et là, t'imagines le fantôme, il te dit oui. Oui, oui, oui. Avec de la bolognaise. Comment est bolognaise? Bolognaise, comment êtes-vous morte? Tu vois le la transition sérieuse. Qui vous a tué? Qui vous a tué? Avez-vous tué? Comment êtes-vous morte? Entre Discord et le jeu. Ouais, mais je peux pas faire autrement, les gens là. Voulez-vous qu'on on est sur Discord, c'est pour éviter les soucis. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est moi qu'elle kiffe pas, parce que dès que je sors de la baraque, en fait, ça se calme. C'est possible ça? Elle a un gros crush sur moi et que... Parce que là... Non, plus ta santé mentale est basse, plus elle t'attaque. Mais t'as du charisme, Manu, du charisme. C'est pour ça. Je suis abonné à ta chaîne. Bon, je vais tenter le tout pour le tout. Lâche ton subprime. Et vas-y, insulte sa mère. Abonne-toi. J'ai peur. Moi aussi. C'était notamment le deuxième mot qui trigger de ouf les fantômes, en fait. La peur. Ah ouais? Faut éviter de le dire parce que ça l'énerve de ouf et ça a tendance à provoquer des attaques. Bah visiblement, elle s'en bat les couilles, hein. Il s'est rien passé. J'ai force peur. Zéro, quoi. J'ai peur. Essayez de la réappeler par son nom-prénom, là. Avez-vous des sentiments pour quelqu'un? C'est la casse, là, tu commences à je joue pas en vert. Avez-vous vu la lumière? Suivez la lumière, Patricia. Alors, il y a une toute petite activité, ça, à 3, là, tranquille. Bon. Patricia, il faudrait réveiller. Non, mais en fait, il faut réciter une messe. Bienvenue, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Patricia, tu commences à me péter les couilles. Au sein du foyer de Dieu. Dieu. Amen. Nous sommes en compagnie d'Angel, béni de Dieu, et de Négus, pas trop parce que c'est Anony. Non. Dieu, il t'aime pas. Parce que je suis un ordre japonais, que je peux pas être gentil. Donc, merci Peggy pour ton voilà. Ah mais c'est une Les onis bleus à l'origine c'était des onis célestes. Hein. Les onis. Non mais. Les onis, oui. Les onis. Oh, les onis. Est-ce que t'es trop fraîche, Patricia là? C'est parce que t'es trop. Bah non, elle est morte, donc du coup elle est plus vraiment fraîche, je pense, à mon avis. Bah t'en sais rien. Ouais, elle est peut-être bonne. Ouais, ça se trouve. À mon avis, elle est un peu décomposée, quoi. Bah t'en sais rien. Ah. Puis, j'ai vu tout à l'heure, elle a 8 ans, hein, j'ai vu tout à l'heure, donc faut faire gaffe avec ça, hein, mais. Ouais, mais vu l'état des compositions, à mon avis, il y en a plus que un ou deux trous. Ah, la belle équipe. Ah, moi, j'attends. Ah, bah, c'est pratique, tiens. Et pour l'instant, il se passe. Mais que dalle à la webcam. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'activité, hein. Il n'y a rien. Activité, rien. Le piano debout. Si vous êtes là, faites un signe. Est-ce que tu connais Pokémon Go? Montrez-vous. Ouais, ça, il paraît que c'est une question trigger, Pokémon Go. Pokémon. Salut Négus. C'est genre elle sort son téléphone, fait oui, j'ai un Pikachu. Moi j'aime pas trop en fait parce qu'on se détend, mais quand on va se faire baiser bah. Ah mais j'attends que ça moi. Ah bah oui. Je suis là avec mes popcorn. Merci Angel pour le gros plan. Alors. Zidia est... Oh putain Zidia, il faut vous... Allez, sortez. Zidia est à 6%, Negus 10, et toi Angel, tu es à 16%. Je sors. Cassez-vous là. Ouais. Putain, j'avais pas vu. Ouf. Mais... Ah, il y a peut-être eu un son bizarre, je sais pas. Bon, j'arrive. Oupidou. C'est bon, elle vous a foutu la paix en partant. Ah putain, là oui. C'est passé à 10. En fait, quand vous quittez sa pièce... Elle se bouge le fion, hein. C'est parce qu'on est beaucoup. T'es à 2 Zizia, t'es à 2. Ah. Je suis à 2. T'as 4. 5. Maman, c'est toi. Eh non, mais y a zéro orbe. C'est pas les orbes, c'est sûr. Mais il répond pas au beeper, c'est soit l'un soit l'autre. J'ai bien vu sur le truc de Angel, c'était bien à 10. C'est vraiment sûr. C'est vraiment sûr que c'est sa pièce et que c'est pas genre le couloir. Ouais, ou la porte d'en face. Non, parce que le couloir il était pas très... Non, la pièce d'en face était pas fraîche non plus.
Pas fraîche comme Patricia, c'est vrai qu'elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est fraîche, frère. Ah, fraîche, fraîche. Non, mais c'est moi qu'elle veut, elle veut mon boule. Sinon, on fait un pile ou face. Ah, moi je m'en fous, pas besoin de pile ou face, hein, j'y vais. Ça, elle est chiante, Patricia. Patricia. Alors. La Patricia. Ah, Patricia. Attends, j'ai une idée. Au pire, yeah. Vous êtes deux. Ah, yeah. Comme ça, vous êtes un peu rassurés. Mais en fait, vous êtes pas dans la même pièce. Du coup. Il reste un crucifix pour me rassurer. Oui, il est dedans. Ah, il est dedans. Allez, va chercher. ok. Pas, ah, je vais crever. Si, je vais crever. Vous avez la Ghost Box? De prendre leur pono. Elle est là-bas aussi. La Ghost Box est là-bas. Mais c'est cool, j'ai tout sur place. Ouais. C'est incroyable. Ah, mais c'est. C'est ça. C'est une commande Uberbox, Uber Ghost. Il a à 19 et moi Uber je Ghost. Je peux pas revenir en fait. Mais ah, quelqu'un qui est avec moi. Allez. Coucou Patoche. Va pas là-bas avec lui. C'est nous, on revient. Tu vas déclencher les attaques, Zidia. Bon. Je vais prendre une photo. Alors. Oui. Mais je veux un new dress. Putain. Oh, bon, je propose au chat de prendre des pronostics pour Patricia. Mais elle est où la Ghost Box? Elle est pas là la Ghost Box en vrai. Hein. Elle est posée sur la vaisselle. Sur le lave-vaisselle? Non, moi j'ai une lampe, j'ai le thermomètre, j'ai bah, l'appareil, mais c'est tout. Et c'est quoi qui est où? Alors, mais elle... Ombre ou Oni? That is the question. Ah, elle attaque. Attaque. Ne parle pas. Allez. Ça va aller, Manu. On va avoir une mort en live. Parce qu'elle peut ouvrir certaines portes. Hein. Non, elle peut pas. Merci. Tu... C'est vraiment pas gentil. Reste 100%. Disons une force, ça y est, nous avons réussi à atteindre le défi Spooky Stream. Yeah. C'est bon. Bon, par contre, c'est chiant parce que j'ai vraiment pas la Ghost Box. Hein. Elle est pas là du tout. Elle l'a pris. Ouais. Non, mais elle l'a pris. Ouais, je dis, elle l'a mis dans sa collection. Alors, on n'est pas les premiers. Mais y a rien en vrai. Fermée, là. Quoi? C'est Manu qui s'est enfermé. Ouais, moi je me suis enfermé. Ouais. Pendant l'attaque. Ah non, elle est là, la Ghost Box, elle est à côté de nous. Ah bah c'est cool, merci. C'est là où j'étais tout à l'heure en fait. Bon. Attends, elle va me réattaquer là. Parce que dès que je sors en fait, elle attaque. Ah non, ça va. Ah putain. Ah la pute. Elle est où? Cache-toi quelque part, rentre dans une pièce. Ça sert à rien d'ouvrir la porte. Je ne sais pas encore, mais je ne sais pas. Je réfléchirai plus tard. Ok. Non, je vais voir si je fais le live. Si elle est vers toi, je la prends en photo. Voilà. Écoute, j'étais ravie de te connaître, Manu. J'avoue, elle monte. Elle est là. Elle arrive vers toi. Elle arrive vers moi. Putain, elle est arrivée. Elle était deux doigts à la limite à me regarder devant la fenêtre, quoi. Ouais. Moi aussi, j'ai vu un truc apparaître. En fait, c'est bon, tu peux partir. Elle descendait, elle s'est rapprochée de la fenêtre. Elle avance vers... Ah, mais c'est super gentil d'avoir fait l'appât. Bon, la Ghost Box, elle est où? Elle est dans mes mains, là. Ah, vas-y, file-la. Peut-être ce jeu-là, peut-être d'autres jeux aussi. Peut-être aussi, ouais. En vrai, là, il se passe pas grand-chose, hein. Ouais, elle est chiante. Non, mais... Putain, mais patoche, quoi. Bon. Qui nous était en temps. Mais c'est pas mal. En tout cas. Ouais, tu fais limiter dans le torche, j'ai cru qu'on était en pleine attaque. Hein? Je sais pas ce que tu disais clignoter dans le torche, j'ai cru qu'on était en pleine attaque. Patricia Johnson, est-ce que tu m'entends? C'était pas un jeu. Patricia Johnson, êtes-vous là? C'est pas Patricia Johnson, c'est Patricia Cass. Patricia Cass, est-ce que vous avez la voix cassée? Ouh, j'ai fait ce que... Ah putain, c'était quoi ça? Ah mais non. Patricia Johnson. Patricia Johnson, quel est votre âge? Quel est votre métier?
Ok, c'est bon. Ouais, moi je provoquais une attaque pour une défi. Patricia Johnson, quel est votre nom? Il y a plus de crucifix par terre. Patricia Johnson, où est le crucifix? Alors, c'est... J'ai peur, j'ai vraiment très peur. Peur, j'ai peur, peur. Peur, ouh, peur. Elle s'en bat les couilles de la ghost box, elle s'en fout. J'ai peur, j'ai très peur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur. J'essaye de faire en sorte que ce soit naturel un peu. Non mais sortez en vrai, on va faire un pile ou face. Hein. Ouais, ouais, non mais je pense que oui, on va devoir se concerter pour... Bon, il faut qu'on fasse je sais pas quoi, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ah putain! Vas-y, suis-moi. On se met là. Hop, tu éteins ta lampe et clac. Elle m'a attaqué moi. Bah évidemment, t'es à 0% Zidia. Oh, comme les matières grasses dans les yaourts. Bon, ça c'était la plus poussée au monde. J'ai vraiment... vu le truc dans l'escalier. Activia. Bah ouais, en fait, elle se déplace. Waouh! Elle se déplace en troupeau, mais elle est toute seule. Et du coup, elle peut venir des escaliers. Oh oui, dans les escaliers, je la vois. Ça va pour le moment. Elle était dans les escaliers, je l'ai vue. Ah, j'ai pas vu, parce qu'en fait, vas-y, on dirait trop une catin. Mais c'est, on dirait trop une ombre. Ah, c'est bon. On dirait trop une ombre. Vas-y, comment t'es bon. Trop une catin. Catin. Voilà. Au passage, merci à la personne qui a fait une blague sur le 0%. Hein. Ça aurait été con que je me fasse gauler par le fantôme juste parce que j'ai rigolé comme un connard. Alors, c'est à 0%. On est tous à 0%. Non, putain. Bon, bah, Nico, c'est toi qui y colle. Allez. Pour info, moi j'ai déjà fait le truc quand elles étaient. On a déjà eu cette situation, j'avais besoin d'une réponse à la box. Dans une situation. Ah. Et du coup, je me suis enfermé, j'étais tout seul dans la maison, et j'ai parlé et j'ai eu une réponse. Et au moment où je suis sorti, elle me fermait la porte d'entrée juste devant le nez. Elle est apparue juste derrière moi, j'ai à peine eu le temps de prendre un virage pour me cacher quelque part. Mais en fait, si tu veux, Négus, c'est vraiment. C'est assez violent. Il est vraiment adulé par les fantômes, tu vois. Ah mais c'est un genre, c'est un oni. Patricia, tu vois, c'est une fine girl, tu vois. Elle voit Négus, très contente. Alors, on peut éliminer le revenant parce qu'on les aurait vus quand même les marques. Ouais. Moi, franchement, Négus, je serais toi. J'ai vu, elle était vraiment très noire. Hein. J'ai vu une petite fille dans les escaliers, moi. Oui moi c'est une petite fille, ouais. Mais ça veut rien dire son apparence, non? Non, on ça s'en veut fout. Rien dire. Ça peut être une ombre ou un oni. Dans tous les cas, c'est une catin. Hein. Ah, donc, si le chat a un pronostic à faire. Hein. Niveau orbe, que dalle. Hein. Température glaciale mort. C'est curieux quand même. Il manque quoi en fait qui aurait pu nous aider à déterminer ce que c'est? Soit une orbe, soit le beeper. Empreinte, je pense qu'on les aurait vus. Non, ouais. Non. Empreinte ou ghost box quoi. La ghost box, en vrai, c'est mort. J'ai fait trop de tentatives. Dans les escaliers, il y a peut-être quelque chose parce qu'elle est tout le temps là-bas. Eh, c'est quoi ça? Elle a touché la porte plusieurs fois. C'est normal ça? Il l'a fermé. Est-ce que c'est possible qu'il y a genre un méga orbe que je viens de voir apparaître là? Je viens de voir, mais le truc, c'était un halo que je viens de voir apparaître. C'est possible. Le truc était énorme. Mais non, vraiment très très gros. Bah oui, mais si c'était passé vraiment au premier plan, c'est possible. Bah très gros mais très diffus, tu vois ce que je veux dire? Ça faisait plus comme une brume. Ouais, ça aurait pu, mais très concentré à un endroit, tu vois, c'était une forme sphérique, c'est... tu vois. Ouais, c'est peut-être une apparition. On part sur une ombre. Ouais. D'accord. Moi je pense que c'est une ombre juste à cause de ça. Ouais, c'est sur l'indice qu'on a. Voilà. Putain, c'est relou. Et puis, vous l'avez vu dans le chat? Même la cave, ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais le problème, c'est que comment... C'est qui part? Toute petite pièce. Non, moi, je pars pas. C'est quelqu'un de... Non, c'est quelqu'un du chat, ouais. Mais moi, tu pars pas, Angela. C'est fini, maintenant. On a signé un contrat. Ah bah ouais. Comme c'est un gros... c'est une toute petite pièce. C'est un peu compliqué d'avoir une vue d'ensemble. Il est possible qu'on ait pas... Mais c'est vrai que... C'est curieux.
Même là, normalement, elle est censée être vénère et tout ça, elle bouge pas trop les portes et tout, alors que j'avais déjà vu... Enfin, j'ai fait des parties où... Moi, je pense, et on la voyait pas parce qu'elle passe en dessous du lave-vaisselle, tu vois. Ouais, ouais. Dans un angle qu'on voit pas. Ah, c'est possible, il aurait peut-être fallu décaler l'appareil, mais j'y retourne pas. Negus, viens voir la photo de souvenir que j'ai fait avec Angel. Comment on fait pour la voir? Bah, on la verra en sortant de la mission, de toute façon. Truc bleu, en fait. Sinon, tu peux appuyer sur J. Ouais. Et dans ton carnet, t'as un onglet pour les photos. Ah oui, c'est vrai! Il y a un onglet pour les photos, ouais. Attends. C'est tout bleu. Moi, je vois rien. Quoi? Moi, je vois un truc tout bleu. Ouais, moi, je vois un truc bleu aussi. Mais regarde mon stream, Negus. Ah ouais. Bon, du coup, on fait quoi? Alors. Alors, pour vous, ça serait plus. Alors, si je mets une orbe. Donc, ça serait plus. Une engine? Non. Non, une orbe. Nombre. Ah, une ombre! Ah, une ombre! J'ai entendu une orbe! Ouais, c'est une ombre parce qu'on a. Tu as vu une orbe? Mais, attends, mais non, ça a mis Spirit Box. Non, mais rien en fait, c'est moi qui ai pas mis ce qu'il fallait. Non, mais donc voilà, c'était pas écriture fantomatique. Désolé! Alors, non, mais je rigole. Pardon! Je ne recommencerai plus. Voilà, bon, bah moi j'ai mis ombre, puis allez-y, hein, si vous voulez démarrer la flip mobile. Puisque tu parles du jean, je vais en profiter pour faire une petite explication. L'ombre est bien plus forte dans l'obscurité. Et le jean est bien plus forte avec le courant allumé. Ouais, je vois. J'ai vu l'intérieur de tes yeux là, c'est ça qui m'a fait le plus peur de toute la game. C'était un ombre. C'était une ombre. Yeah. $50. Oh, c'est pas mal ça. La preuve ADN, c'est les ours, non? Oui. Ouais. D'accord. Oui. Et l'assurance, c'est quand tu meurs, ça rembourse une partie de ton équipement. D'accord. On a une assurance? Oui, quand tu... Mais tu sais pas parce que t'es jamais mort, moi je suis mort deux fois. Pardon.